Et du coup, sur le PP, cette fois-ci, la présentation d'ouvrage Ben Tuhuka de Wapo, rencontre avec un conteur marquisien, avec Ben lui-même et Loïc Joss. Je vous laisse la parole, du coup. Bon, Ben m'a demandé d'entamer de, cette rencontre. Je voudrais juste, enfin, juste te rappeler la première fois où on s'est rencontrés, où euh, je te dis comment tu te définis, Ben. Et là, j'aperçois ce personnage qui me dit Moi, je suis un pur marquisien. Je lui dis Oui, a un pur marquisien. Qu'est-ce que c'est ça Et là, il commence à m'expliquer qu'il avait des ancêtres. L'un était un écossais qui distillait du whisky. Un autre était un, un douanier qui avait volé du, du, du pinard au roi de France. Un autre était un Italien plutôt douteux. Un autre était chinois, etc., etc. Et je dois dire que ça a été là le début d'une rencontre, dont voilà le résultat. Parce que face à quelqu'un qui définissait son identité comme étant quelque chose de choisi, comme étant quelque chose d'ouvert sur le monde, cette identité marquisienne, Dieu sait que Ben la porte et la transmet. Mais en même temps, il l'a choisi. Et de mon côté, moi j'arrivais au marquis, je découvrais, et je dirigeais une association en Bretagne qui s'appelle Identité Plurielle. Donc toute l'idée, c'est de dire que oui, c'est essentiel de savoir d'où on vient. Oui, il faut cultiver nos racines. Oui, il faut transmettre notre culture à nos enfants. Oui, il ne faut pas laisser dominer les cultures. Et quand on connaît ses racines, on est tolérant parce qu'on n'a pas peur de l'autre. Identité plurielle. Voilà comment est né notre projet. Euh, merci euh, Loïc. Voilà, je me présente Ben, Teikitutowa. Je suis originaire des Marquises de l'île de Ouapou. Donc, dans la légende des îles Marquises, Uapau porte les îles Marquises. Le, ce sont les poteaux, les piliers, et qui aujourd'hui, les experts de l'UNESCO sont là-bas pour vérifier si vraiment ces pics sont des VUE, des valeurs uniques exceptionnelles et on espère que ça sera vrai d'ici au mois de juin. Donc euh, moi-même, je suis euh, ambassadeur de l'UNESCO à wapo et je me suis excusé de mon absence de mon île puisque j'avais le salon du livre et que je voulais pas rater le, le livre que nous avons euh, travaillé, fait, écrit avec mon ami euh, Loïc Joss et que pour moi, c'est essentiel. Je me suis dit, je ne veux pas mourir idiot, je veux laisser quelque chose sur cette terre à mes enfants, à tout le monde, etc. Puisqu'il y a une partie de notre histoire des Marquises, non seulement de Uopo, mais de toutes les îles Marquises, et même de tous les jeunes de mon âge et moins jeunes, qui sont dans ce livre. Et puis, euh, une autre partie qui est consacrée à l'illusion extraordinaire qu'ont eu tous les Polynésiens, c'est-à-dire... Euh, euh, à l'arrivée du CEP avec euh, cette manne extraordinaire que les marquisiens eux-mêmes croyaient à un arbre où on secoue les billets de 5000 tombés éternellement jusqu'à la fin des temps. Mais moi-même, j'ai failli quitter l'école. J'étais au lycée euh, Couguin. Euh, mes camarades amoureux, ils gagnaient mieux que les professeurs qui nous enseignaient le français ou la géographie, euh, qui n'ont pas tenté d'y aller, voyez Donc la tentation est très, très forte. Donc euh, voilà une partie que je voulais raconter à cette jeunesse. Je pense qu'ils ne savaient pas que après aujourd'hui euh, euh, on est malade. Voilà. À cette époque-là, la maladie est inconnue. C'était la joie. Et savez-vous que la Polynésie était le premier consommateur de champagne au monde pendant cette période Si vous allez dans les boîtes, vous n'arrivez pas à payer une bouteille de champagne. Vous êtes euh, parmi la racaille, la basse classe, etc. Donc, euh, vous voyez comment fonctionnait pendant 30 ans euh, la société polynésienne, je ne dis pas marquise, tout le monde fonctionnait comme ça ici. Et nous, euh, pauvres étudiants, avec des pauvres bourses de 10 000 balles, on n'allait pas loin avec ça. On pouvait se payer seulement un coca. Donc, euh, voilà, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que surtout... Euh, je voudrais souligner ici le travail, quoi qu'on dise sur les missionnaires, mais euh, c'est grâce euh, aux missionnaires, aussi bien les sœurs, que les marquises se sont arrivés aujourd'hui à, à un état de développement, aussi bien intellectuel, ouvert vers le monde, grâce à ces personnes-là qui ont été, je vous le dis sans le cacher, critiquées. C'est normal. Ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait. Ça fait partie de l'histoire. Mais ce qu'ils ont construit, ça fait partir d'aujourd'hui. Donc, nous sommes issus de cette première école que les missionnaires ont créée à Ouopou, à Nukouhiba. Ils accueillaient les garçons à l'internat de toutes les îles marquises. Donc, ici, je parle pour tous les marquisiens, les garçons et les filles à l'école des sœurs. C'est un peu polémique. Et de ces deux groupes sont issus la génération d'aujourd'hui. Me direz-vous, on dirait deux troupeaux. De, de bœufs et de vaches qu'on a croisés à la fin et ça a donné de très beaux génisses et des vachettes magnifiques. Voilà, c'est à peu près dans cet état d'esprit. Or oh non, c'est noble, c'est louable. Ça nous a évité aussi la consanguinité de ne pas tournoyer dans la même île comme dans un bateau perdu ou euh, le radeau de la méduse. Vous voyez Donc, en fait, nous étions sur le radeau de la méduse. Nous étions sur un certain point, on a failli disparaître, ça, vous le savez. Sinon, il y a le livre de ce monsieur qui est là-bas, euh, j'ai oublié son nom, euh, qui parle de cette hécatombe extraordinaire dans le triangle polynésien, et même en dehors du triangle polynésien, et surtout aux Marquises. On était les, les acteurs dans ce livre, dans son livre, et pourtant, il vient de Nouvelle-Calédonie. Donc euh, là, il souligne ce qui s'est passé aux Marquises. Moi aussi, j'en parle là-dedans, mais. Euh, avec moins de, de documents, c'est normal, on est isolé aux Marquises. Et lui, il a accès euh, en tant qu'éminent professeur de faculté à tous les documents, laissés par les missionnaires, les navigateurs et autres personnes qui sont venues aux îles Marquises. Euh, revenons à, à la mise euh, à jour de ce livre. Donc, euh, comme euh, mon ami Loïc me disait, ça faisait presque 50 ans. J'ai rencontré des, des, des jeunes de mon époque où on était à l'école normale ici à Tahiti. Je suis parmi les premiers marquisiens à, à passer le concours d'entrée, non pas à l'école normale, mais au cours normal. On l'appelait à l'époque le cours normal. Et euh, on est deux marquisiens qui ont réussi pour la première fois. Les autres viendront après. Et là, j'ai rencontré des amis, des copines aujourd'hui. On est âgés de 70, 72, euh, 75 ans et qui me dit, euh, on n'a jamais oublié, tu nous as toujours dit, dans 30 ans ou 40 ans, tu sortirais un livre. J'ai dit, il est là. Dans 50 ans plus tard. Vous voyez Donc, je leur ai promis, il m'appelait Socrate. Euh, J'ai dit, au début, je ne comprenais pas. J'ai dit, je ne suis pas un Sony, un gratte. Savez-vous, moi, je n'ai pas fait d'études secondaires poussées, ni université. Je ne connaissais pas le philosophe Socrate moi bon, j'avais il me dit mais non Socrate c'est un éminent euh, ah bon je dis pourquoi il me dit mais vous parlez très bien le français pour un sauvage qui arrive des marquises et qui euh, voilà ah bon après j'ai étudié Socrate effectivement euh, c'est quelqu'un avec Platon et tous les autres enfin et voilà donc euh, j'attendais quelqu'un et beaucoup de mes amis même euh, D'ici de Tahiti, des présidents du tribunal qui venaient en marquise, des docteurs, même le haut-commissaire, là notre cher haut-commissaire qui est revenu là. Comment il s'appelle euh, euh, le Non, il est là. L'ancien, ah bon Saurin, voilà, Dominique Saurin. Il m'avait dit mais Ben, ben, écrit, parce que je l'ai euh, eu sur moi aussi, je suis conférencier sur le Aranoui. Donc, il était dans le Aranoui. Alors, je l'ai euh, euh, guidé. Euh, historier, si vous voulez, jusqu'à où on a fait le tour et tout. Il m'a dit, mais écris, écris, écris. J'ai dit, je n'ai pas encore trouvé mon âme sœur. Excusez-moi pour votre terme, le nègre. Bon, c'est ce que vous dites, hein? mais il est blanc. <laughs> il est blanc. Donc, euh, le mot ne convient pas. Je dis un ami. Voilà. On est des amis tous les deux et on a travaillé en tant qu'ami Voilà. Et je vais m'arrêter ici. Euh, si, que tu peux rajouter parce que, que, ça marche Oui. Ce que je peux rajouter, euh, c'est qu'effectivement, ce que, ce que tu dis là, c'était toute la difficulté qu'il y a eu, c'est une difficulté qui est commune, je pense, à l'ensemble des civilisations du Pacifique. C'est comment, dans ce monde moderne, comment on passe de l'oral à l'écrit, parce qu'il y a une nécessité de transmettre, et la transmission aujourd'hui, il faut aussi qu'elle se fasse par l'écrit. Et donc, euh, je n'imaginais pas l'ampleur de la tâche. Bon, c'était. Ce n'est pas mon premier livre, j'ai publié une dizaine de livres auparavant. Et là, tout d'un coup, on a travaillé pendant des semaines et des semaines et des semaines, des interviews, des interviews. Et tout d'un coup, j'étais face à une montagne d'informations orales. Et comment traduire cela par l'écrit, traduire sans trahir euh, En permanence, il y a eu des allers-retours euh, parce qu'il fallait couper, parce qu'il fallait... Synthétiser parce qu'il fallait éviter les redites, mais comment ne pas trahir la parole de Ben Comment est-ce que ça peut rester authentique et marquisien Et comment ça peut être lu par un public qui ne connaît pas nécessairement cette culture marquisienne Donc, ça a été un travail absolument passionnant, mais qui nous a demandé un peu de temps. Oui, merci Loïc. Donc, effectivement, lorsque euh, je lui euh, racontais. Les marquises, la vie des marquisiens, tout ça. J'avais, si vous voulez, un français à moi. Donc euh, normalement, euh, certains disaient, il y a eu beaucoup d'incorrections grammaticales, etc. qui et je dis, ne touchez pas. C'est comme ça que vous jugerez comment le français a été appréhendé et imprégné et capté par les marquisiens. Voilà j'ai donné ce nom de attitude par rapport à la négritude. Vous euh, voyez, Aimé Césaire, lui, il maniait la langue mieux que les Parisiens, mieux que les autres. Mais moi, je maniais à la marquisienne et j'ai donné ce nom de inanatitude. Alors, j'ai rencontré des amis haïtiens. Il me dit Nous, on va mettre maoïtude. Je dis Bon de salauds copieurs. Alors on rigole, hein, on rigole, bah, c'est extraordinaire. Je dis, pourquoi pas Écrivez votre marititude. Je pense que le président Broderson a écrit, n'est-ce pas Monsieur euh, Robert, il a fait, hein, c'est le hein. Et moi, je mets le enanatitude là-dedans. Et vous allez découvrir en lisant cet ouvrage que euh, l'oralité euh, est un suc qui est là-dedans, qui vit, qui bouge. C'est l'âme du livre, il est là-dedans. Euh, pitié pour les incorrections grammaticales et tout le reste, mais euh, ce qu'il faut, c'est de comprendre ce qui est dit dans ce livre. Voilà. Je n'ai pas, euh, comment dirais-je, déstructuré la langue française ni euh, inventé un nouveau langage, pas du tout. C'était ma vraie langue, c'est ce que j'ai appris avec mes professeurs, mes maîtres, etc. Et je l'ai tourné à ma façon, avec mon cœur, mon âme et tout ça. Voilà. Je sais que Robert a dit ah, là-bas, c'est pas tellement correct. J'ai dit, c'est correct, c'est très bon. Il faut le laisser tel quel. Voilà, n'est-ce pas, Robert Voilà, un peu, hein Voilà. Voilà, donc euh, voilà à peu près ce que je, je peux vous dire, mais ben, le contenu est trop long, euh, mais c'est surtout cette période euh, scolaire que nous avons vécue au marquis, je n'oublierai jamais, puisque c'est de, de ce groupe de garçons, de filles, que les marquises sont aujourd'hui les marquises. Nous avons des hommes responsables, nés de ce groupe, des filles responsables également. Même quelques unes sont pilotes d'avions de ligne Air, 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 Air Tahiti, etc. Il y a une de mon village de Hakamaï qui fait ses études de pilotage Kaiha, en France. Donc, euh, vous voyez cet élan euh, euh, culturel, cette force euh, de la culture, je dirais, excusez-moi, je dirais française, parce que euh, à 100% l'enseignement se faisait en français. Et aujourd'hui, avec le Eo c'est très bien et euh, nous apprenons le marquisat à l'école, puisque hier, les experts du, de l'UNESCO étaient là-bas, chez moi, dans mon village, dans mon île, et ils ont été voir deux classes de langues. Donc, dans cette classe, il y a l'anglais et il y a le EONANA, le français, bien sûr, mais surtout l'anglais qui était là. Donc, euh, l'UNESCO a été vérifié si vraiment, parmi les objectifs. Euh, euh, proposés par l'UNESCO, euh, on, on les applique à l'école, c'est-à-dire l'enseignement d'une langue autre que le français, avec le, le, le marquisien. Pour le marquisien, je vais vous raconter une petite histoire qui est là-dedans. Euh, je n'oublierai pas jamais, c'est notre évêque, euh, monseigneur Le Cléache, et euh, un soir, on était... Euh, à une grande réunion à Nokuhiba, monseigneur, réunissait toutes les forces vives des marquises, tous les secteurs d'activité, la santé, la gendarmerie, les pêcheurs, enfin, etc., les enseignants. Et là, euh, cet évêque éclairé, extraordinaire, nous dit, on était trois instituteurs, euh, Toti, Georges, Étienne euh, et moi-même. On, on était voir l'évêque en lui disant, voilà. Monseigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a Mes enfants. Alors, on lui dit, voilà. Euh, le responsable de l'éducation de l'époque, qui était M. De Denis Jacques de Rolais, et euh, nous a envoyé un arrêté, comme quoi dans toutes les écoles, le Taïtien serait enseigné dans toutes les écoles de la Polynésie. Voilà. Et nous, on n'est pas d'accord, parce que nous avons une langue. 100% des Marquisiens parlent leur langue. Mais on sait que si on lui répond que nous ne sommes pas d'accord, on va se faire virer à tout, et tout et tous les trois. Enfin, front des tout à moto avec une promotion. Au revoir, goodbye. Et à l'époque, ça se faisait beaucoup. Donc, on appelle ça euh, la discrétion du fonctionnaire. Il y a un terme pour dire ça Le, ne, ne, ne rien dire. Voilà. Si tu es fonctionnaire, ta gueule et fonctionne. C'est ça, hein? voilà. Et si tu dis euh, je ne suis pas d'accord, tu n'as pas le droit d'être d'accord. Il faut que tu sois d'accord. Donc, nous, euh, on a été voir l'homme de Dieu. Peut-être par là, euh, il dit Ah bon ben, Vous avez l'arrêté là J'ai dit Ben oui, voilà, il est là. Il est stipulé à telle ligne, comme quoi il, il nous dit Mais c'est pas normal. J'ai dit Ben, ben voilà, mon Seigneur, on dirait que c'est une deuxième. C'est la plus terrible des colonisations. Il y a la France qui est venue avec la langue française. Là, le thaïsien nous recolonise avec une autre langue. Ah, mon, il s'est levé, il a les doigts, les mains vers le ciel. Et alors, on dit, nous, on ne veut pas. Enfin, les marquisiens se réveillent et c'est là le départ. Et là, il avait, on a monté une association culturelle vite fait, bien fait, et lui, avec sa plume sacrée d'évêque. Et il trace une lettre à Denis. Peu de temps après, on reçoit la réponse. Oui, mais envoyez-nous le contenu de votre enseignement que vous proposez. Qu'est-ce que vous allez enseigner ah, Seigneur nous dit Alors, qu'est-ce qu'on enseigne Il dit Seigneur, vous venez de traduire la Bible. On envoie la Bible aux marquisiens. Ce n'est pas bête, ça. Plus les évangiles. Je sais qu'à Haïti, eux, ils se réfèrent sur la Bible des protestants. Ah, ben oui, oui, oui. On, envoie, on nous envoie, oui, mais à titre expérimental, au moins pendant deux ans. Mais il faudra un de vous vienne se former ici, à Tahiti, au moins pendant deux ans. Et voilà le démarrage qui est là, qui a commencé non seulement pour sauver notre langue, ensuite les poèmes nous ont suivis, etc., etc. Vous connaissez. Et aujourd'hui... Euh, on enseigne le marquisien au marquis. Le thaïtien ici, un peu tous ceux qui parlent le thaïtien. Donc nous avons gagné. Donc euh, le marquisien est reconnu comme EO. Je préfère dire EO non pas langue. Langue c'est grand, hein, c'est l'anglais, le français. On n'est pas nombreux. Donc EO, ça va mieux. Donc c'est reconnu. Et c'est à partir de là que petit à petit, notre culture... Une fois que nous avons eu la langue et avec cette langue, l'évêque nous dit maintenant vous allez vivre cette culture avec la langue. Maintenant, on vous autorise officiellement à parler et à écrire cette langue. Vous allez vivre la culture. Nous on ne savait pas. On a tout perdu, notre culture et on n'avait plus. C'est fini. Et heureusement, euh, pendant cette période, mon ami euh, Toti Georges est venu se former. Et il a eu quand même une qualification en tant que maître formateur en Eo Et ici, c'est en Eo Tahiti. Okay. Oh, voilà. Donc, euh, et Toti revient et Monseigneur nous dit allez voir vos parents, vos grands-pères, euh, etc. et allez chercher s'il reste des bribes de votre culture. On se trouve devant nos papas, nos mamans, nos grands-pères. Mais c'est interdit euh, par l'Église. Euh, c'est satanique, c'est démoniaque. Qu'est-ce que c'est, ce truc-là Alors, qui est-ce qui vous a dit de venir nous voir C'est l'évêque. Là, il ne comprenait plus. L'homme de Dieu. Les hommes de Dieu ont supprimé la culture avec euh, Tordillon. Et là, un autre évêque ouvre la porte de l'enfer. Comme quoi, la voix de Dieu sent. Chez nous, c'est pénétrable. <laughs> bon, voilà. Et c'est comme ça que c'est pénétrable, la culture. Et heureusement, nous avions des vieilles personnes à à pau il n'y a personne. La culture à Ouapo, c'est du ⁇ Alléluia, je vous salue Marie, je ne me moque pas. Hein, mais je vous dis, l'état culturel, que les prières matin, midi et soir, c'est tout. Et la langue, heureusement, il y a la langue. Mais à part ça, rien. Un Kouiva, quelques chants, le Maou, ou avec un Poutou. Euh, et puis le Mave, le fameux Mave, nous, on se moquait de la vieille qui faisait Mave mave voilà, une folle. Voilà, vous voyez comment on a été instrumentalisé, euh, occidentalisé dans la tête, etc. Même plus tard, moi, j'ai refusé de mettre des noms marquisés sur mes enfants. Vous voyez la profondeur de la culturation, c'est extraordinaire. Et. Et là, l'évêque ouvre la porte. Et on va voir, les, et à Rivaoua, il y avait des personnes qui étaient allergiques à la religion catholique. Il y en a encore. Et c'est eux qui nous ont donné cette ouverture des chants, des danses que vous voyez aujourd'hui. C'est grâce à eux. Mais dans la tradition marquisienne, chaque clan garde leur savoir. Heureusement, Totti... Sa mère est de Hivaoa, donc le clan du sud, et papa euh, du nord. Donc il avait deux pieds, un à Hivaoa et un au, à Ouapo. Et, et, et cette façon a fait que Hivaoa lui a ouvert la porte de leur culture qui était close. Et là, grâce à Toti, là je lui remettrai jamais, remercie jamais, et il est parti aujourd'hui pour notre culture à Nouméa pour la projection du film Motuhaka, invité par euh, Cotra Wallace, hein? Wallace Cotra, pour le festival à C'est ça, hein? Oui, voilà. Vous voyez un peu cette culture vent chez les Kanaks. Il a été à Hawaï euh, il y a un mois. Donc, même chose. Euh, aux États-Unis, etc. Vous voyez l'ampleur. Donc, euh, voilà, si vous voulez, l'origine du réveil de cette culture euh, grâce à la langue. Que nous avons mis en place avec cet évêque extraordinaire. Pour nous, euh, s'il y avait un Christ, c'était lui, vivant descendu du ciel. Voilà. Et c'est lui qui a réveillé le peuple marquisien. Et en prime, lui, il a été convoqué à Rome pour être excommunié parce que il a ouvert une porte, la porte de l'enfer. Voilà. Donc un, un évêque, il a été convoqué à Rome. Nous disait que, comme quoi, euh, heureusement, c'est un intellectuel extraordinaire. Et il a expliqué au pape la richesse de cette culture. C'est vrai, il y a le côté cannibal, mais il n'y en a plus. Le côté danse nu, faire l'amour en public parfois. Autrefois, c'était naturel, mais il n'y en a plus. Donc, ils vont danser habillés, euh, voilà. Et ils ne vont pas danser nu, etc. Et c'est comme ça qu'il y a eu euh, euh, cette victoire de cet évêque extraordinaire qui a fait que les Marquisiens, petit à petit, se sont libérés de ce joug, de cette espèce de plomb qui pesait sur notre culture. aujourd'hui, on est heureux, on a accompli notre mission. Et savez-vous que pour ce festival qui va se passer au Marquis, il y a huit groupes de jeunes d'ici, pas seulement de Marquisiens. Ce sont des groupes qui seront mélangés avec des jeunes Taïtiens, filles et garçons, des poimotou des australes qui sont dans ce groupe. Il y a 8 groupes, de 30 personnes par groupe qui viendront à ce festival. Ce festival est vraiment réservé aux Polynésiens et ce sera le festival de la transmission. C'est pour ça qu'on n'invite pas les délégations extérieures à la Polynésie. Voilà, que vous compreniez. Donc c'est un festival spécial de transmission puisque le thème, c'est de ramener... Des, 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 des vieilles traditions, des chants très très vieux euh, que le jeune Tetahi Otupaher et a obtenu euh, grâce aux travaux qui ont été effectués au Marquis et à par Handy, l'américain Handy, qu'il avait trouvé au Bishop Museum à Hawaï. Donc avec les notations de ce monsieur, cet ethnologue, sociologue, il a pu remonter, ramener tous ces vieux chants que nous ne connaissions pas, mais Totti connaissait, grâce à, à ses grands-mères et grands tantes de Hivaoa. ramenés vers nous aujourd'hui. Et ce festival, nous allons le transmettre aux enfants. Et c'est la première fois qu'il y aura à peu près, peut-être dans toutes les délégations euh, réunies, il y aura peut-être 200 enfants de... de CE2, CM1, CM2, 6e, 5e. Ensuite, le 4e, 3e, ils seront dans les groupes de danse. Mais là, ce sera spécifiquement les enfants qui vont euh, faire des activités culturelles avec la transmission culturelle destinée à ce groupe d'enfants euh, marquisiens. Voilà. Donc, euh, nous allons transmettre maintenant avec le film pour prouver vraiment. Que ce film a servi à sensibiliser, à transmettre notre culture et à informer le monde que notre culture est là, elle est vivante et, et, et elle, est, euh, elle est transmise partout. Donc, il euh, n'y a plus d'inquiétude, on peut s'en aller euh, en disant chapeau, on s'en va. <laughs> voilà. je, Alors, Ben, je, je t'arrête deux compris secondes. Que ben est un compteur. Voilà, je, je pense qu'on l'a tous compris. compris hein que le problème c'était pas de rédiger un livre, c'était que ce soit pas cinq volumes. <laughs> on peut ah, pas le faire en cinq volumes. c'est pas possible. et aussi que bien au-delà de la vie de ben, euh, ce que raconte ce livre, c'est la renaissance culturelle, c'est euh, le devenir, et c'est cette notion de transmission qui est au cœur du livre. et j'ai encore le temps du coup pour une ou deux questions, selon voilà. la longueur des questions. c'est bon pour laisse. ça aussi que je voulais euh, laisser un petit peu la fin comme ça. est-ce qu'il y a des questions dans le public? Sinon, je laisserai le mot de la fin à Ben en lui rappelant qu'il reste 5 minutes quand même. <laughs> c'est ça, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a une question non Ben a déjà répondu à toutes vos questions, toutes vos interrogations les plus profondes. Donc, je vais juste laisser le mot de la fin à Loïc et Ben. Un bref mot de la fin, s'il te plaît, Ben. <laughs> tu ne sais pas parfois, faire ça. Parfois, la fin est douloureuse. Vous voyez Voilà la fin de, de ce que je dis. Parce que. Euh, on n'aura jamais le temps de tout transmettre, c'est pour ça que je dis, je donne une conclusion, la fin, cette fin est heureuse, merci ben. puisque je vois les gens sourire, c'est ça ce qui me, euh, me réconcilie, ces sourires, ces visages souriants, dès, dès que je suis content, euh, ils sont à voilà, ils sont contents, je suis content. Voilà, C'est toi qu'on remercie contente. de nous faire sourire. Voilà. Alors on applaudit bien fort Ben, s'il vous plaît. Ben et Loïc, du coup, Loïc qui a permis d'avoir euh, ce livre qui rendra euh, Ben encore plus immortel qu'il ne l'est déjà. <laughs> Donc merci infiniment à vous deux. Voilà, merci.